Coucou les béliers, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de bélier. Donc, nous allons découvrir les énergies sentimentales entre vous et votre autre célibataire, juste simplement la situation en général au niveau amour, ce qui se passe en amour. Plus des personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, merci de visiter mon site internet www.aisatoartdivinatoire.fr. Vous verrez mon service et mes rendez-vous. Ok, les béliers, premier décan, deuxième décan, troisième décan, signe ascendant, signe lunaire. En amour, qu'est-ce qui se passe en avril? Quelle est votre situation amoureuse en avril? On va tout simplement commencer avec les énergies générales au niveau sentimental. Donc, on a un 7 d'épée qui ressort de ce tirage. Donc, je vais juste simplement le placer pour vous. On a un 7 d'épée. Je décale certaines de mes cartes. Au niveau sentimental toujours, je vais juste placer les énergies. On a le roi de bâton. On a le 4 de coupe. On a la force comme énergie. On a le 8 de coupe. On a l'empereur. Ok. On placerait d'autres cartes en plus. Ok. 7 d'épée. C'est incroyable parce que le 7 d'épée, c'est souvent quand on a affaire avec une personne. C'est incroyable parce qu'un 7 d'épée, c'est souvent quand on a affaire avec une personne qui n'a pas été très honnête avec vous. D'accord? C'est quelque chose. Je pense que la dernière fois que vous avez eu une conversation avec cette personne, ça a été très tendu. Parce que cette personne a non seulement révélé éventuellement leur vraie personnalité, mais vous avez découvert que ce n'était pas une personne de confiance et qu'il était peut-être nécessaire de prendre votre distance en vue de la situation qui se passe actuellement. Et en plus de ça, il y a eu beaucoup aussi de non-dits entre vous et cette personne. J'ai le sentiment que la situation était compliquée dès le départ, en fait, avec eux. Au niveau de l'échange que vous avez eu avec cette personne, il y a eu beaucoup trop de tensions entre vous et cette personne. Pour certains d'entre vous, en tout cas, qui sont de premier décan ou deuxième décan, j'ai bien le sentiment que vous avez arrêté de parler avec cette personne parce que vous avez découvert des choses qui n'ont pas été très claires, en fait, dès le départ. Vous avez fait quelques découvertes à l'égard de leur personnalité, de leurs identités et ce qui se passait réellement, en fait, dans votre dos. En tout cas, il y a une situation autour de la confiance. On verra avec le placement des cartes, mais il y a une situation vraiment autour de la confiance. Il y a une situation que vous vous interrogez énormément. Il y a une situation ici que vous cherchez de plus en plus d'informations pour pouvoir éclairer, en fait, pourquoi cette personne a agi de cette sorte avec vous. Pourquoi cette personne a été assez radicale, en tout cas, dans la fin de cette relation avec eux. Qu'est-ce qui se passe aussi pour eux? Mais je pense qu'il y a eu une situation de confiance ici. On verra avec le signe de zodiaque, mais voilà. Moi, je pense qu'au mois de, par rapport à ce que je vois au niveau de votre énergie, au mois d'avril, vous pensez à une personne, vous pensez fortement à une personne qui est partie de votre vie. Je pense que c'est un ex, parce que c'est vraiment le retour de cette personne, en fait, dans votre vie. Mais voilà, au niveau de votre énergie, vous suspectez, en fait, que cette personne n'est pas entièrement honnête ou vrai avec vous. Donc, il y a cette nécessité aussi de prendre votre distance de cette personne. On a aussi un roi des bâtons ici qui amène cette énergie d'action ici, d'accord? Le fait de prendre votre place à l'égard de cette personne. Donc, il se peut que vous avez aussi affaire avec deux personnes dans votre vie. L'un est un ex et l'un, c'est la personne que vous êtes présentement en couple avec ou présentement en relation avec. Au mois d'avril, en tout cas, vous avez votre regard sur une personne. En tout cas, vous avez le retour d'une personne ici, mais sauf que il y a beaucoup de méfiance de votre part par rapport à cette personne. Il y a ici une relation avec laquelle vous devez faire un peu plus d'efforts avec. Les 4 de coupe, c'est souvent quand on est dans une situation où on n'arrive pas, en fait, à apprécier les moments avec une personne ici. On n'arrive pas, en fait, à se reconnecter au niveau émotionnel avec une personne. Il y a comme une sorte de distance, en fait, qui se crée avec le temps entre vous et cette personne. Il y a encore beaucoup d'amour ici, mais j'ai le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à vous, vous êtes beaucoup plus en train de vous interroger, en fait, par rapport à ce que vous ressentez actuellement. Vous êtes en train de vous interroger aussi par rapport à les intentions de cette personne. Il y a des choses qui ont changé dans votre lien. Il y a des choses qui ne sont plus comme auparavant.
Il y a des choses en fait qui sont modifiées avec le temps par rapport à votre connexion. C'est quelque chose qui vous affecte énormément. Mais j'ai le sentiment que durant les mois de mars, il y a cette nécessité en tout cas de prendre des décisions. Après, nous avons aussi la force. Donc, il peut y avoir quelques tensions dans votre conversation que vous allez avoir avec cette personne. La conversation risque de tourner forcément dans un seul sens parce que j'ai le sentiment que vous allez devoir vous défendre en fait face à cette personne parce que vous trouvez que ça a été inadmissible en fait d'agir comme ça face à vous. Vous qui avez été présentement pour eux, vous qui avez été quand même un gros soutien en fait pour eux. Donc, je pense que vous allez vouloir vous agir. Vous allez en tout cas vouloir clarifier certaines choses avec cette personne. L'énergie de votre relation actuellement, c'est vraiment le fait aussi d'être en connexion avec une personne. Beaucoup d'entre vous, il se peut que ce soit une relation karmique que vous vivez ici parce qu'il y a beaucoup d'entrées et sorties de cette relation, en fait. J'ai le sentiment qu'à chaque fois que vous reverrez, à chaque fois que vous revoyez cette personne, en fait, vous arrivez à pardonner, à oublier, à vouloir passer à autre chose parce que vous avez des grands impacts. Mais à chaque fois, vous êtes quand même très déçu par rapport aux actions que cette personne vous mène. C'est comme si vous voulez réconcilier avec une personne et que cette personne, en fait, joue un double jeu avec vous, en fait. Vous voyez? C'est comme si vous voulez éventuellement être vulnérable en face d'une personne, guérir le lien parce qu'on a la force. Donc, vous voulez éventuellement soigner une personne, aider une personne. Mais vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas faire entièrement confiance à cette personne parce que cette personne joue en double personnalité ou joue en double jeu avec vous. En tout cas, vous êtes là, les béliers. Donc, l'énergie de l'empereur, en tout cas, amène cette notion. On a plusieurs situations ici. Avec un roi des bâtons, on a un bélier lion ou un sagittaire, cancer, scorpion ou un poisson. Il peut y avoir une interaction entre vous et un signe d'eau. J'ai le sentiment que ceci, vous allez peut-être prendre la décision de vous éloigner d'une personne ici parce que vous sentez que la connexion ne se fait pas. Vous sentez que vous faites plus d'efforts que l'autre personne. Ou ceci, vous allez prendre la décision éventuellement d'éclairer en fait où vous en êtes actuellement par rapport à vos sentiments avec cette personne. La personne avec laquelle vous êtes actuellement en relation avec, c'est le soleil. Donc, on voit la rue de la fortune en envers. C'est une personne éventuellement qui vit plein de transformations actuellement. C'est quelqu'un qui est en plein changement au niveau de leur vie. C'est une personne qui est en phase de. Il y a plein de choses qui se passent en tout cas dans leur vie actuellement. La rue de la fortune aussi peut amener des changements qui sont à apporter en fait au niveau de votre lien, au niveau de votre connexion. Il peut y avoir des retrouvailles en fait entre vous et cette personne. Je pense que cette personne a compris par rapport à leurs actions en fait. Cette personne a compris que leurs actions avec vous n'ont pas été très claires. Donc je pense que cette personne voudrait éventuellement réparer la relation entre vous deux. Vous par rapport à eux, j'ai le sentiment que vous avez envie de donner une deuxième chance à cette personne. Mais vous avez un peu marre en fait de être celui qui fait des efforts en fait par rapport au lien. Et je pense que vous avez marre parce que vous avez eu le sentiment d'avoir été trop là en fait et de ne rien avoir, aucune appréciation de retour par rapport à cette personne. Les sentiments de cette personne à votre égard, les sentiments qu'au niveau de leurs sentiments, il y a quand même beaucoup de connexions amoureuses qui existent entre vous et cette personne. C'est une personne qui tient beaucoup à vous, c'est une personne qui veut réparer la connexion qui existe entre vous deux. C'est une personne qui voit éventuellement une évolution dans le lien amoureux qui existe entre vous deux, même si on sent qu'avec les 6 d'épée, vous êtes dans une phase de votre vie actuellement où vous êtes en train de réfléchir à est-ce que ça vaut la peine d'attendre que cette personne évolue, que cette personne comprend éventuellement les liens qui existent entre vous et eux, ou est-ce qu'il vaut mieux éventuellement rompre toute connexion avec cette personne et aller vers quelque chose d'autre. J'ai le sentiment en tout cas qu'il y a cette notion de vouloir prendre des décisions à l'égard d'une personne ici. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, on a l'énergie de partenaire ici. Donc, ici, en termes d'amour, les mois d'avril, en tout cas, apportent beaucoup de choses à régler, en tout cas, au niveau de votre connexion. J'ai le sentiment que, en tout cas, beaucoup d'entre vous vont avoir à régler des relations très karmiques avec une personne, des relations de flammes jumelles aussi, qui vont être hyper éclairées. À savoir que la personne aussi qui vous a fait cette situation va chercher éventuellement à reprendre des nouvelles de vous, va chercher plutôt à réparer la relation. Leurs actions ici, pour moi, même si vous suspectez que vous ne pouvez pas leur faire confiance, parce qu'il faut que vous soyez sur votre garde, et parce qu'il faut que vous observez, et parce qu'il faut que vous utilisez la partie logique, c'est le cœur. J'ai le sentiment que leurs intentions envers vous au jour d'aujourd'hui, c'est de réparer la connexion avec vous. Ça veut dire que cette personne a pris conscience que sans vous, en fait, leur vie, voilà, depuis que vous n'êtes plus avec eux, leur vie ne sont plus les mêmes. Ils ont envie de vraiment faire des efforts
pour changer éventuellement au niveau de la connexion. Mais je pense que ça peut être quelque chose qui est difficile à assimiler, en fait, pour vous, en fait, ici. J'ai le sentiment que pour vous, même si vous avez envie d'évoluer avec eux, même si vous voyez que c'est quelque chose qui peut être réparé au niveau de la connexion, vous sentez quand même il y a quelque chose au fond de vous. Vous avez envie d'utiliser votre intuition à l'égard de cette personne. Vous avez envie d'être sur votre garde. Vous avez vraiment envie d'observer les actions de cette personne parce que vous ne leur faites pas confiance, parce qu'il y a des choses qui ont pu changer par rapport au lien. Mais je pense que durant les mois d'avril ici, j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose. En tout cas, moi, vous voyez, on a les magies de Kulien Drot. Tout ce qui est secret, attention. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que vous allez découvrir quelque chose à l'égard d'une personne au mois d'avril. Il y a une sorte de découverte. Il y a quelque chose que vous devez comprendre ou découvrir par rapport à cette personne. Il y a des choses que vous devez savoir par rapport à eux. Il y a des choses qui vont vous paraître peut-être clair par rapport aux connexions que vous avez avec cette personne. Moi, je sens beaucoup de rapprochement affectif. Si vous êtes en couple, c'est pas pareil. Pour des personnes qui sont en couple, en fait, c'est que je vais éclairer au fur et à mesure dans ce tirage. Pour des personnes qui sont dans une relation de couple, durant le mois d'avril, on est vraiment sur un certain support, le fait de aussi travailler sur votre communication, en fait, parce que je vois quand même qu'il peut y avoir quelques tensions, le fait que vous n'êtes pas sur la même page, vous n'êtes pas peut-être en accord avec certaines choses, spécialement avec l'éducation de vos enfants ou spécialement avec ce qui se passe sur la partie économique éventuellement de votre foyer. Il peut y avoir quelques froissements ou des faits de ne pas être en accord sur plein de choses, mais j'ai le sentiment que puisqu'on a deux couples et la force, il y a cette nécessité aussi de pouvoir se focaliser sur ce qui ne va pas dans votre connexion pour réparer les choses. Donc, j'ai le sentiment que le mois d'avril amène quelques réparations. Le fait de vouloir mettre de la lumière sur quelque chose, sur une relation, sur une situation, le fait éventuellement de vouloir être assez solidaire au niveau de la connexion. En tout cas, il y a une personne ici qui est de signe de Bélier, Lion ou en Sagittaire qui pense aussi très, très fort à vous. Sauf que cette personne hésite énormément de vous recontacter ici. Et ça fait depuis quelques temps que vous le ressentez, en fait. Au fond de vous, vous sentez avec, peut-être par vos rêves, peut-être éventuellement par les connexions que vous, qui est en lien entre vous et cette personne. Vous ressentez qu'il y a une connexion entre vous et cette personne, mais vous êtes assez résistante. Parce qu'au mois d'avril, je vous sens très résistante. Je vous sens quand même sur votre garde. J'ai le sentiment que vous prenez les bonnes précautions. J'ai le sentiment que vous faites vraiment attention avec qui vous donnez votre cœur à la partie sentimentale et hyper fragilisée. Même si vous avez besoin de soutien, besoin d'amour, j'ai le sentiment que vous êtes bien conscient qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre à être dans une situation où vous faites plus d'efforts que l'autre personne. Vous avez besoin aussi que l'autre personne voit et fait des efforts aussi envers vous. Donc, vous êtes en attente éventuellement que cette personne se réveille et cette personne agit en fait à votre égard ici. Au niveau sentimental, nous avons isolement pour vous. Donc, isolement aussi, écoute, on est dans, isolement aussi, c'est le fait aussi que vous êtes peut-être dans une situation où vous vous retirez de l'une personne, où vous êtes peut-être déconnecté, éloigné d'un et l'autre, vous ne pourrez pas peut-être être en communication avec cette personne. Vous êtes aussi en train de réfléchir par rapport aussi, peut-être qu'il y a une séparation temporaire ici qui vous permet de réfléchir à ce que vous voulez aussi en amour aussi, ce que vous recherchez en amour. Est-ce que ce qui se passe actuellement vous convient aussi parce qu'on a vous mérité de l'amour, donc au jour de lui, vous commencez à vouloir être plus à l'écoute de vos sentiments, d'être plus à l'écoute de ce qui se passe au fond de vous, d'être un peu plus à l'écoute de ce qui vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Donc, il se peut que vous êtes en train d'être peut-être éloigné l'un et l'autre avec ce qui se passe actuellement, ou il se peut que tout simplement il y a une séparation temporaire ici qui vous permet de pouvoir vous repositionner dans cette relation amoureuse avec cette personne. Et c'est peu tout simplement que vous souhaiterez aller aux nouvelles d'une personne parce que vous pensez encore à cette personne, parce que vous pensez encore qu'une relation peut encore réexister entre vous et cette personne. La personne que je vois ici très bientôt et nous avons cela vaut la peine d'attendre. Cette personne, en tout cas, voudrait éventuellement se reconnecter avec vous. Cette personne, en tout cas, veut revenir avec vous. Cette personne, en tout cas, voit une relation dans l'avenir avec vous. Cette personne, en tout cas, voudrait bâtir quelque chose avec vous. Dans leur vie actuellement, pour certains d'entre vous qui sont en séparation, ça a l'air d'être très compliqué pour eux parce que à cause de certaines choses, il y a eu des choses qui ont été changées, il y a eu des choses qui ont eu besoin, en fait, d'être reprogrammées ou être changé dans leur vie. Donc, cette personne veut que vous sachiez que très bientôt, il peut y avoir question de retour et très bientôt, ils voudront ou elles voudraient faire des efforts éventuellement pour rétablir les liens, la communication qui a pu exister entre vous. Donc, je pense que cette personne a pris le temps aussi d'être conscient par rapport aux liens qui existent entre vous deux.
Bon, bref. Je vais continuer la suite de ce tirage suivi mieux. Je vais essayer de voir quelle est la fondation de votre relation durant le mois d'avril. Quelle va être l'évolution entre vous et cette personne? Où va cette relation au mois d'avril? Quelles vont être les actions de la part de cette personne célibataire? Je ferai un tirage bien détaillé, donc avec des heures différence, pour parler vraiment de relations pour des personnes qui sont célibataires, comment va évoluer votre vie amoureuse. Pour des personnes aussi qui sont en couple, en séparation, je vais détailler tout ça suivi mieux. Donc, je vous invite à cliquer suivi mieux pour voir la suite de ce tirage. Si nous devons s'arrêter ici pour pouvoir se revoir le mois prochain, je vous dis une chose. En amour, je pense que même si vous avez besoin de prendre le temps de guérir, il faut quand même que vous soyez dans une certaine réceptivité et de pouvoir être en position d'entendre ce que l'autre voudrait vous dire et de ne pas vous fermer complètement à cause de ce qui s'est déjà passé auparavant. D'accord? Et je vous retrouve le mois prochain. Et pour d'autres personnes, je vous retrouve sur Vimeo pour la continuité de ce tirage. Merci, à bientôt, au revoir.